Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous allez bien? Bonjour tous les internautes. Y a-t-il des âmes romantiques dans la place aujourd'hui ou derrière leur écran? Pour une fois, vous avez le droit d'être romantique, même les mâles dans la salle. En fait, on est en période de fête et en période de fête, on est bombardé de téléfilms à l'eau de rose et vous avez déjà le scénario du téléfilm. Elle est belle, elle est intelligente, mais elle est mariée ou elle est fiancée à un trader à New York. Et ce trader à New York n'est intéressé que par sa carrière et pas par sa chérie. Alors elle décide de prendre un peu de congé pour retourner chez sa maman quelque part dans un endroit paumé. Et là, elle rencontre le gars local, le vagabond, le bûcheron, je ne sais pas, mais l'aventurier qui lui consacre toute son attention. Et là, la belle finit par lâcher son banquier. Elle adopte le pauvre. Ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants, mais c'est là où le téléfilm coupe. Vous savez que cette histoire-là, qui est à peu près dans tous les téléfilms, c'est un plagiat. Et je vais vous montrer que ça vient de la Bible. Et oui, la Bible a créé le premier téléfilm de M6 ou de TMC ou de TF1. C'est dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 25. Et on va lire ensemble ce que c'est qu'une love story. Alors juste pour changer, pour ne pas mettre l'envie d'aimer, je vous ai mis l'ennui d'aimer. Parce que aimer, ça fait des soucis, mes amis. Ça fait des soucis. On va parler de l'ennui d'aimer, love story. Et pour qu'il y ait love story dans la Bible, c'est entre David et Abigail. Et en fait, on va voir comment ils vont se marier et eurent un enfant d'ailleurs. Mais ça ne s'est pas passé tout à fait comme un téléfilm. C'est très très intéressant parce que ça a été écrit dans le livre pour nous servir d'exemple. Parce qu'on a tous besoin terriblement de se sentir aimé. Et on a tous un peu l'envie d'aimer, mais attention à l'ennui et aux ennuis. Surtout quand tu es dans une période de fragilité. David, en fait, vient de perdre son mentor spirituel, celui qui était un peu son papa adoptif, Samuel le prophète. On lit ensemble. À cette époque, Samuel mourut et tout Israël se rassembla pour célébrer le deuil. Et on l'enterra chez lui à Rama. Et David, dans une période où il est en train de mener le deuil. Et d'ailleurs, il va partir, il va se mettre en route. C'est une période difficile, il va se retirer dans le désert de Paran. Puis là, en fait, il a faim. C'est un vagabond et il gère environ 400 hommes qui sont aussi perdus que lui. Okay ? C'est pas une période facile de sa vie. Et alors qu'il est dans ce désert de Paran, il va remonter dans sa région. Il est de la tribu de Juda, David. Et il va donc remonter vers le territoire de Juda, précisément à l'endroit où il y a le mont Carmel. Et là, il va rencontrer un homme très riche. Un homme très riche se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. Abigail, mes amis, elle est juste top. Regardez, c'était une femme pleine de bon sens et très belle, ce qui ne gâche rien. Tandis que son mari, banquier, si quelqu'un est banquier, je suis désolé, je n'aurais pas dû le dire. Il était simplement dur, méchant dans sa manière d'agir et la seule chose qui l'intéresse, c'est son portefeuille. Ok ? Alors, on s'arrête là pour les slides. Je vous dis juste ce qui va se passer après, je vous fais la petite histoire du téléfilm.
En fait, David va arriver et il est plein de respect envers cet homme très riche. Et il va lui dire, tu sais pas quoi, tu m'as rien demandé, mais je vais choisir de te bénir. David n'a pas d'argent. Il n'a pas beaucoup de moyens, mais il a quelque chose, c'est que c'est un protecteur. Et David va protéger les troupeaux de moutons et de brebis de cet homme. Et avec ses 400 hommes, ils vont le protéger pendant suffisamment longtemps. Et à la fin, quand il y a la récolte, David dit, bon, t'as beaucoup, 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 tu peux pas nous prêter un tout petit peu, nous donner juste de quoi manger. Mais Nabal est tellement près de ses sous qu'il va dire non à David, mais pas seulement non, il va humilier David. Sur quoi David, son sang va faire qu'un tour, il prend son épée, il prend ses hommes et il décide d'aller tuer Nabal. Mais alors qu'il est en route pour aller tuer Nabal, la belle Abigail va éviter le massacre. Elle va arriver avec des provisions, avec des pains, avec du vin, avec des cadeaux, beaucoup d'amour. Elle va arriver vers David et dire « S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne tue pas mon mari pour rien. Ça vaut pas la peine. Voici, c'est moi qui paye. Allez, repars tranquille chez toi. » Abigail va rentrer chez elle. Elle n'ose même pas dire à son mari ce qu'elle a fait. De toute manière, il est bourré, nous dit le texte. Donc elle attend le matin. Et le matin, quand il a dessoulé, elle finit par lui raconter ce qu'elle a fait. Alors on tombe sur la fin du texte. Sa femme lui raconta tout ce qui s'était passé. Et le cœur de Nabal, il eut une attaque. L'attaque cardiaque, le gars. Parce qu'il avait perdu quelques moutons. Ça l'a brisé. Il resta paralysé. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Il est mort. Verset 39. David apprit que Nabal était mort. Et il dit, béni soit l'Éternel. Il a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. Et David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Je vous propose Love Story, première partie, pour vous les hommes. Quentin, Love Story version David. Alors je sais que je vais perdre une grande partie du public féminin. Mais pour les femmes, ça peut vous aider. Surtout, ça vous permettra d'attendre la semaine prochaine où on va voir Abigail. Parce que les deux façons d'analyser cette love story est très différente selon ce que vous êtes homme ou ce que l'on vous êtes femme. On ne va pas vivre les choses de la même façon. Donc à tous les hommes, derrière leur, devant leur écran ou ici dans la salle, on va voir pourquoi notre cœur est si fragile. Et pour vous les femmes, essayez de comprendre la psychologie de votre homme, ça peut faire que du bien. Si vous êtes célibataire, prenez des notes pour plus tard. Pareil les hommes qui sont encore célibataires, ça va vous apprendre des choses. En tout cas, il y a deux points que je vais voir dans le cœur de David. Toute une histoire de cœur. Première partie, c'est les blessures de David. En fait, David est profondément blessé et on va voir qu'un homme blessé peut prendre de mauvaises décisions. Okay, des bonnes aussi. Les blessures du cœur, Quentin. Et dans la deuxième partie, on va voir que lorsque votre cœur est blessé et qu'il a été tapé, qu'il a été brisé, il va réagir. Il va avoir deux types de pulsions, soit des pulsions négatives de colère et de haine, soit des pulsions de « oh, pourquoi pas quelque chose de positif et d'amour ». Grantin, blessure. Blessure du cœur, c'est la première partie de Love Story. Blessure de cœur. Alors que David était au désert, alors là on va revenir un petit peu sur l'histoire, David apprit que Nabal tondait ses brebis. Il envoya 10 jeunes gens vers lui en leur ordonnant « montez ». Allez à Carmel, allez trouver Nabal, et vous le saluerez en mon nom. Et en hébreu, c'est Shalom. David dit, je te salue. Il en fait des tonnes. Il a été bien, il a été classe. Et puis il dit, nous venons dans un jour de joie. Donne-nous juste à tes serviteurs et à ton fils, David. Vous voyez, il se met vraiment humble. Il dit, on est tes serviteurs, je suis ton fils. Parce qu'ils sont de la même tribu, ils sont de la tribu de Juda. Il dit, tu sais, t'es un grand papa pour moi, t'es un patron. J'ai dit, ce que tu as sous la main, donne-moi ce que tu as sous la main. Et là, il va prendre une gifle, Grantin la gifle. Parce que Nabal répondit à ses serviteurs, qui est David, le fils d'Isaïe ? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de chez leur maître. Il n'aura rien. Pour David, ces deux phrases sont terriblement blessantes. Parce que premièrement, son grand-grand-grand-grand-oncle lui dit « Je ne te connais pas. T'es rien pour moi. T'es rien. »
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce sentiment d'être rejeté par quelqu'un chez qui tu cherchais juste à être gentil, quoi? Il est rejeté. La deuxième chose, il lui dit, il y a beaucoup de serviteurs qui s'échappent de chez leur maître. Est-ce que vous vous rappelez de quel maître Nabal est en train de parler? David était serviteur de Saül. David a tout fait pour Saül. Il s'est plié en quatre pour Saül. Il a risqué sa peau pour Saül. Il a combattu pour Saül. Il a supporté les insultes de Saül. Il a supporté les coups. Il a supporté les tentatives d'assassinat. Et c'est que avant de mourir qu'il a sauté par la fenêtre et que Saül a pris sa femme et l'a donnée à un autre. Saül, c'est le summum du pervers narcissique hyper manipulateur qui va te briser. Et ce que Nabal est en train de dire, il est en train de dire à David, retourne chez ton abuseur. Waouh ! Grand B, ça va appuyer sur une souffrance profonde chez David qui est celle d'une cicatrice. C'est comme un bis repetita de quelque chose qui tourne en rond chez lui. Nabal va dire, « Et moi, je devrais prendre mon pain, mon eau, le bétail que j'ai tué pour le donner à des gens qui sortent de je ne sais d'où. » Est-ce que vous savez d'où sort David ? David, il sort d'une famille, la famille d'Isaïe Jessé. Et déjà, lorsqu'il était petit, David, il a été victime de rejet et de mépris. Lorsqu'il était petit, c'était lui que l'on envoyait s'occuper des moutons pendant que les autres gars étaient invités à une cérémonie d'honneur. Vous vous rappelez que lorsque le prophète Samuel avait demandé qui va être le futur roi d'Israël, tous les fils étaient venus. Celui que le papa avait fait exprès d'oublier, c'était David. Donc l'exclusion, il en a vécu toute sa vie, David. Certains disent, pardonnez-moi le mot qui peut être un peu fort, mais certains disent que peut-être c'est parce que c'était un bâtard que le père ne le reconnaissait pas. En effet, il a écrit un psaume, David, où il a dit « Ma mère m'a conçu dans le péché ». Donc est-ce que son père ou son beau-père, Isaïe, n'a pas voulu le présenter parce que c'était une histoire d'une aventure extra-conjugale? Je ne sais pas. Mais en tout cas, David, il a toujours été celui que l'on méprise et que l'on rejette. S'il y a un homme, là, maintenant, dans cette salle ou qui regarde ce message, où ta vie, dès ton enfance, a été victime de rejet et d'abus, de mépris, que ce soit dans la cour de récréation, que ce soit par rapport à tes cousins, que ce soit dans ta famille, il y a une cicatrice à l'intérieur. Est-ce que vous savez quel est le premier besoin d'un homme ? Le premier besoin d'un homme, c'est le respect. Et ça, vous avez ça dans toute culture. Que vous soyez né à Pékin, que vous soyez né à Kinshasa, à Brazzaville, en Norvège, à Oslo, aux États-Unis, n'importe où, le premier besoin d'un homme, c'est le respect. Quand il était garçon, David, il a été victime de mépris. Et d'ailleurs, la Bible dit quelque chose d'assez intéressant. D'un point de vue physique, comment vous imaginez David ? En fait, on est dans une culture méditerranéenne où ils sont quand même globalement cheveux noirs et bronzés. D'accord ? Ce sont des Méditerranéens. Sauf que David, lui, il est sorti blond roux vénitien dans le texte. Donc déjà, il dénote, tu vois. En plus, il dit il était doux de visage. Donc il ne fait pas hyper masculin. Et tellement que quand Goliath va le voir, il va se marrer. Quand David va arriver avec Goliath avec sa petite frondinette, là, et puis ses cheveux roux et son truc un peu rond là, il lui dit mais vous m'avez envoyé un poupon, un bébé là, c'est humiliant ce que vous me faites là. Et il va se moquer de David parce que David d'un point de vue physique il est pas hyper masculin. Vous savez qu'en fait il tapait des ours en privé, mais en public il se fait à chaque fois mépriser. Dans la culture juive, laissez-moi juste vous dire une chose pour tous ceux qui connaissent pas très bien la culture juive, mais dans la culture juive c'est hyper important pour un jeune gars la cérémonie dans laquelle tu deviens un homme. Ça s'appelle la bar mitzvah aujourd'hui. Et vous savez qui vous reconnaît comme bienvenue chez les mâles ? C'est 10 hommes qui vous reconnaissent et qui disent « Ouais, maintenant, t'es un mec !» Or, David, l'histoire de sa vie, c'est que c'est un peu comme la bar mitzvah qu'il a manqué où il n'était pas invité déjà. Et à chaque fois, il est celui qu'on met de côté. Et puis en plus, cerise sur le gâteau, pardonnez-moi pour tous les musiciens dans la salle, mais le gars, il fait de la harpe.
T'as du genre, ding 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 ding. Alors c'est top pour se caser, mais c'est pas top pour vivre dans un vestiaire de rugbyman, tu vois. J'ai fait de la harpe. Donc du coup, tout le monde dit « Wow !» Et il est victime d'un peu de clichés. En fait, c'est vraiment un mec, sauf qu'il est hyper artistique, et ça, pour les rugbyman que sont ses frères, c'est moyen. Une fois que j'ai dit ça, vous comprenez que quand on lui dit « Qui est David qui sort de je ne sais d'où ?» Grand B, grand 2, pardon, pulsion de ton cœur. La première réaction de David, ça va être « Tu crois que je suis pas un mec ?» Nabal, t'es mort. J'ai chopé les ours, j'ai chopé Goliath, t'es en deux parties ce soir. Je te découpe. Et donc David va prendre 400 hommes et va dire, on va voir qui c'est le patron ici. L'autre, il joue au malin. Il m'a humilié. Il m'a méprisé. Il va comprendre. Grand 2, les pulsions du cœur. Il y a deux types de pulsions que vous allez vivre lorsque vous sentez humilié, méprisé. Soit vous allez vous réfugier dans des pulsions grand A, des pulsions de colère et de haine. Il y a deux évacuations du mal-être intérieur, d'accord ? Écoutez bien ça. Soit tu vas évacuer vers la colère, ou soit tu vas évacuer vers l'inverse de la haine, l'amour. Tu n'as que deux voies possibles. C'est les deux émotions les plus fortes qu'un être humain puisse avoir, c'est la haine et l'amour. Et je vais vous donner plein de raisons pour lesquelles David va s'autoriser à piquer une colère. Pourquoi il s'autorise à piquer une colère ? Parce qu'il dit, alors on lit le texte, les serviteurs de David repartirent et rentrèrent, ils rapportèrent intégralement à David la réponse de Nabal. Alors David ordonna à ses hommes que chacun prenne son épée. Pourquoi ? Pourquoi il dit ? David avait dit, c'est bien inutilement que j'ai gardé tout ce que cet homme avait dans le désert et que rien de tout ce qu'il possède n'a été volé, et il m'a rendu le mal pour le bien. Voilà ce qui te rend furieux, c'est que tu dis j'ai fait des efforts de malade. Je me suis battu, j'ai galéré, je l'ai protégé. Est-ce qu'il y a des hommes ici qui peuvent dire qu'il n'y a rien de plus énervant de faire des efforts qui ne sont pas reconnus, de le lave-vaisselle, la voiture, aller au travail, les heures sup que le patron ne voit pas. Et tout ça, ça crée un sentiment de manque de reconnaissance. Par contre, à chaque fois que tu fais quelque chose de travers, il n'y a personne qui te rate. Mais tout ce que tu fais bien, il ne le voit pas. Et il ne... Ça le fait monter en mayonnaise. Tu ne vois pas ce que j'ai fait. C'est bien inutilement que je l'ai fait. Et tu vois, lorsque quelqu'un te répond avec du mal alors que tu as fait le bien, ça donne envie de dire à l'autre, eh ben, maintenant je vais te faire du mal pour le mal que tu m'as fait. Et ça t'autorise quelque part dans ta tête. Et vu qu'il m'a fait du mal, bah, je vais faire comme lui maintenant. Toutes les colères se justifient au nom de l'injustice. Et c'est une mauvaise justification. Je vais terminer sur ce point en disant, David, depuis qu'il est petit, il est dans un schéma de effort, récompense. Et c'est un truc très très masculin ça. Écoutez bien, peut-être il y a des demoiselles, il y a des femmes dans la salle, vous êtes plus complexes que nous. Mais un gars, s'il a fait un effort, il mérite du réconfort. C'est binaire un mec. C'est j'ai travaillé, je mérite un salaire. Si jamais j'ai fait des efforts pour toi, je mérite un merci. J'ai tué Goliath, je mérite d'être promu au palais. J'ai galéré pour avoir ma femme, et ben maintenant je l'ai, et ben c'est la mienne. David dit, j'ai fait des efforts, et puis après il y a un moment où, je termine sur la colère, dans la colère tu dis, de toute façon Dieu il est d'accord avec moi. Et là il va faire une énorme bêtise, c'est-à-dire qu'il va mettre Dieu dans sa colère. La Bible dit, n'utilise jamais le nom de Dieu en vain. Mais pas Dieu dans tes crises de colère. Écoutez bien ça, il va dire que Dieu traite son serviteur David avec la plus grande sévérité si je laisse en vie jusqu'au matin un seul homme parmi tous ceux qui appartiennent à Nabal. C'est qui parle ? C'est David. David dit que Dieu traite son serviteur David. Attends, mais on est en train de parler de toi à la troisième personne, frangin, là.
Vous savez que quand vous êtes en colère, c'est comme si vous vous donnez le rôle d'être le juge de ce qui se passe dans la maison. Et c'est super intéressant, c'est que David, il est tellement, pour se justifier dans sa colère, il dit que Dieu juge son serviteur David. Mais attends, mais dis je, dis pas son serviteur, dis pas il, c'est toi là-haut. Sauf qu'il se met comme en haut et il dit que Dieu juge. Et heureusement que Dieu n'exauce pas certaines de prières. Hein. Parce que heureusement, ça ne va pas se passer comme ça. Et Dieu ne va pas le pulvériser pour autant. Alors David dit à ses hommes que chacun prenne son épée. Et ils prirent leur épée, et David prit la sienne, et environ 400 hommes montèrent à la suite. Mais heureusement, la jolie Abigail va éviter un massacre. En effet, lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de son âne, tomba sur son visage devant lui, prosterna contre terre. Et là, mes amis, il va commencer les pulsions d'amour. On va passer de pulsions de haine à des pulsions de love. Bon, déjà, à la base, quand même, l'indicateur que nous a donné celui qui écrit ce livre, c'est qu'il nous a dit au début que Abigail est déjà très belle. Objectivement, David a toujours eu du souci à dire non à une belle femme. S'il y en a d'autres dans la salle, ne levez pas la main. Dieu vous a vu quand même. En tout cas, David est dans une période de sa vie où il est en pleine vulnérabilité affective. C'est important que je vous dise cela parce qu'il y a des moments de votre vie où, je parle aux hommes là, il y a une belle femme qui te fait du charme, tu ne la calcules pas. Parce que tu es bien, parce que tu es bien dans ton couple, parce que tu es bien dans ton identité, parce que tu es bien dans ton travail, parce que tu es bien dans ta carrière, parce que tu es bien, parce que tu es bien. Et donc elle passe, c'est une comète. Mais si tu es dans une période où tu as un manque de reconnaissance, où tu as été méprisé, où tu n'es pas valorisé dans ta propre tribu, et bien là, tu es comme une éponge. Et tu es juste très facile à atteindre. Bon alors, excusez-moi les gars, on va faire la femme parfaite pendant un instant. Regardez comment Abigail va agir. Mesdames, si vous êtes célibataires, prenez-en de la graine. Je vous garantis un mariage dans les 15 jours si vous savez appliquer les principes qui suivent. Les hommes, c'est relativement simple. Elle arrive déjà, donc comprenez que c'est un vagabond et qu'il a la dalle. Ok. Accepte ce cadeau que moi, ta servante, je t'apporte et qu'il soit distribué. Elle arrive avec du gigot d'agneau, des pains, du raisin, du vin, le kebab. Le gars, il est bouffé par son ventre et elle arrive. J'ai entendu ta faim. Je viens avec exactement ce qu'il faut à très court terme pour que tu ailles mieux. Déjà là, elle a mis un point. On continue. Avec certitude, l'Éternel ne manquera pas d'accorder à mon Seigneur une dynastie stable. Le gars, c'est un vagabond, il ne sait pas où dormir la nuit. Et elle lui dit, mais moi, je vois que tu es un mec hyper stable et solide. Et je vais dire autre chose. Tu livres les guerres de l'Éternel. Moi, je vois en toi un mec. Wow! Alléluia, prophétise, ma sœur. Parle encore. Verset 30. L'Éternel aura accompli pour mon Seigneur tous les bienfaits qu'il t'a promis. Il t'aura établi comme chef d'Israël. Et moi, je proclame sur ta vie qu'aujourd'hui, tu es un vagabond, mais tu seras un roi. Je prends. Alors, mon Seigneur n'aura ni remords ni trouble de conscience d'avoir tué cet imbécile de Nabal, s'est vengé lui-même. T'es bien au-dessus, mais ne prends pas la tête avec ton collègue, mais t'es là, il est là. C'est un crapaud, mais toi t'es une colombe, mon gars. L'Éternel te fera du bien à mon Seigneur, et tu te souviendras de ta servante. Et là, je... Est-ce que tu peux m'envoyer la musique? Parce que déjà j'ai l'amour, mi amor. Avec le son c'est mieux.
Là, tu composes. Là, t'as un cantique qui vient, là. Là, ça chante dans ta vie. Abigail, arrête. Stop. Reviens avec nous. On arrête. Eh ouais, c'est simple. Hein. Eh, mes amis, juste pour vous dire, mesdames. David, il a réussi à tuer Goliath. Mais Abigail, elle l'a mis par terre en 2 minutes. Ah! Le gars, il a vaincu des armées de Philistins. Mais devant la chérie, là, terminé. 3 minutes, elle l'a plié. Un kebab, quelques compliments, terminé. C'est désespérant pour mon... Je vais aller un petit peu plus loin psychologique, pardonnez-moi, mais... Vous savez, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a réussi à créer avec lui en quelques instants une connivence. Connivence, il y a deux façons de vivre des connivences. Vous savez, il y a des gars, on aurait pu voir, ça a été le cas de David à d'autres moments, notamment quand il va pêcher avec Bathsheba, c'est de sa faute. Il est allé la chercher, d'accord ? Bathsheba n'est jamais venue. Donc, des fois, la connivence, tu peux la créer. Mais là, en plus, David, il n'a rien fait. C'est elle qui est venue le chercher. Et c'est pour ça que je vous dis, quand un mec est en manque, avec une situation de besoin, et que la fille arrive en miroir pour dire « Je te désire », là, le gars, il n'a pas le réflexe, là. Elle a déjà cuit. Parce qu'en fait, David, qui fait le malin et qui s'est tellement vu par ses hommes comme un guerrier, en fait, il est hyper fragile à l'intérieur. Je parle à quelqu'un, là. Et David va confondre ce que beaucoup de gars confondent, il va confondre le désir et l'amour. Parce qu'à ce moment-là, elle réveille en lui un désir. Et lui, il va prendre ça pour de l'amour. Bon, et puis là le summum, c'est la phrase d'après. Verset 35. David prit ce qu'Abigaïl lui avait apporté et lui dit « Monte en paix chez toi. » Tu vois ? Il a tout compris. Il dit « Je t'ai. » J'entends pas. Écoutez, quel est le premier besoin d'une femme ? Non, on verra la semaine prochaine. « Je t'ai écouté et je t'ai bien accueilli. » Alors juste pour les gars, entre nous, soyons honnêtes, tous ceux qui sont mariés, je ne sais pas pourquoi, mais on a une capacité extraordinaire, et la phrase va s'afficher sur vos écrans. C'est trop facile d'écouter à 100% une belle inconnue une seule fois et pendant une heure. Il a été capable d'écouter Abigail, mais c'est parce qu'elle est belle, elle le valorise, et là il dit « mais je t'ai écouté ». Et c'est assez terrible. Et là, le charme va être brisé. Là, il y a un silence qui est en train de tomber. Là, mais le charme va être brisé parce que vous vous rendez compte qu'en fait, ben, Abigail, là, elle est mariée. Mais David aussi. Et oui, David. Et regardez le verset 43. Il avait déjà épousé Achinoam de Jizréel et il les eut toutes les deux pour femmes. Voilà, c'est beaucoup moins love, là. Et en fait, je suis en train de me dire, mais pourquoi il est en train d'écouter cette belle inconnue comme ça ? Et là, j'ai une petite phrase pour moi-même et pour tous les hommes mariés. La seule femme, juste avant que ça s'affiche, je vous interdis les femmes de dire amen, d'accord ? Vous laissez les hommes digérer tranquillement et vous faites rien, pas de coup de coude, rien. C'est juste pour nous les hommes. La seule femme à qui tu dois consacrer toute ton attention... C'est ta femme. Amen. T'as intérêt d'assurer derrière, mon frère. Parce que là, il y a juste 1000 témoins. Mais c'est bien. Oui, non, mais bien sûr. Moi aussi, il faut que je dise. C'est chaud. Parce que tu l'as déjà écouté des heures. Et t'anticipes certaines choses. Ou tu penses anticiper. Alors, vous voyez, le problème, c'est que quand notre cœur... Je vous ai dit tout à l'heure, au début, j'ai dit, voilà, quand tu es en manque, quand tu es en situation de vulnérabilité, il y a deux façons. Soit tu pars vers la colère, c'est une forme de vulnérabilité, ou soit tu pars vers l'amour. Et si tu pars vers l'amour, ou plutôt vers le sentiment d'être amoureux, on va laisser l'amour à 1 Corinthiens 13, qui est bien supérieur à ça, parce que l'amour est patient, alors il n'est pas hyper patient, l'amour ne cherche pas son propre intérêt, l'amour supporte tout,
Donc ça voudrait plutôt dire que la seule femme que tu dois aimer, c'est Ahinoam de Jizréel, et peut-être un peu plus la supporter, et aller dans la tente et lui dire, ma chérie, ça fait déjà 2 semaines qu'on n'a pas fait de date ensemble, on va prendre le temps, j'ai besoin que tu me racontes comment c'est passé, tes 15 dernières journées. 30 ? Vas-y. 2 ans ? D'accord, on y va. Prétexte affectif. On va tous prétexter, lorsqu'on a notre cœur est touché dans le désir, et lorsque vous êtes amoureux, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous allez prendre n'importe quel prétexte pour faire des bêtises. À ce moment-là, je pense que tout est vrillé dans la tête de David, puisque cette femme a réussi à harponner son cœur, et David va se donner plein de prétextes pour pouvoir épouser une seconde femme, alors qu'en fait, c'est pas possible. Premièrement, il va faire ce que tous les êtres humains essayent de trouver, c'est des signes comme quoi c'est la bonne. Ah, les signes. David a pris, ah ben ouais, non mais ça c'est quand même merveilleux, elle était mariée, mais l'Éternel a donné. L'Éternel a repris, alléluia, son mari. Donc elle est libre. Béni soit l'Éternel qui a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. Et David envoya proposer à Abigail, bon, écoutez, donnez-nous quelques arguments comme quoi il peut croire qu'Abigail est vraiment pour lui. Premièrement, elle est très belle. Deuxièmement, elle est très intelligente. La fille, franchement, elle nous a fait un planning de séduction top. Puis elle a évité un massacre en plus. Elle est bien, on va voir ses qualités, ses défauts la semaine prochaine. Elle est généreuse. Tu vois, le kebab, là, elle en a mis plein. Elle a mis pour tout le monde, pour 400 personnes. Elle est hyper valorisante. Elle lui a dit tout ce que David avait besoin d'entendre. Et en plus, maintenant, cerise sur l'énorme gâteau, elle est libre. Parce que la pauvre, son mari est mort. On ne peut pas la laisser comme ça dans le danger. Il faut que quelqu'un comme David se sacrifie quand même. Vous n'allez pas la laisser au milieu des troupeaux. Là-bas, il peut lui arriver des bricoles. Un chevalier comme David peut protéger une princesse comme elle. Il suffit que la femme là, qui passe dans ta vie, elle te dise, tu sais, hein, je suis pas en sécurité chez moi. Puis mon mari, je veux pas te dire, mais... Alors, bien sûr, il y a du MeToo, il y a des abus, etc. Mais il y a des femmes qui exagèrent un peu quand même. Ne levez pas la main, mais bon. On a tous tendance, quand on veut plus de son mari, à un peu de... appuyer sur le trait quand même. Hein. Ouais, il m'aime pas. Donc là, David, il a un réflexe de dire, bah, je vais te sauver, ma chérie. Franchement, je... Et ça, c'est un prétexte qui est énorme, parce que si l'homme arrive à avoir le bon rôle et à garder la main, ben du coup, il se dit, ben, c'est plus grave, je peux avoir une deuxième, puisqu'en fait, si je ne fais pas ça, ben, elle va être malheureuse. Alors, vous voyez, c'est comme si tout était feu vert. Et puis, je vous mets cette phrase, et là, je parle vraiment à tous mes collègues, ce n'est pas parce que tout semble réuni que c'est un bon plan. Le temps que ça s'affiche, ce n'est pas... parce que tout semble réuni que c'est un bon plan. Et là, je parle même aux célibataires. Parce que, fais attention, des fois, ça peut aller très vite, les signes. Tu as l'impression que... Ah, c'est ce que j'ai... Attention, même quand tout est réuni, c'est pas forcément un bon plan. Parce qu'il ne faut pas confondre le désir et l'amour. L'amour, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus long terme. C'est quelque chose qui se construit chaque jour. C'est 1 Corinthiens 13... Et ça, c'est beaucoup plus profond que le simple désir. Alors j'espère qu'après ce message, il y aura des témoignages. Et c'est pour ça l'église MLK, je veux que ça soit concret dans votre vie. Qu'il y ait des hommes là qui se réveillent et qui disent « Mince, je suis en période de vulnérabilité, il faut que je prenne soin de mon couple. » Regardez ce que Jésus a dit. Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain, homme, femme, et qu'il a déclaré ? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, pas à ses femmes. Et les deux ne feront qu'un. Ils ne seront plus deux, mais ils ne font qu'un. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Je sais qu'il n'y a pas des tonnes de amen après ça, parce qu'on est dans un siècle où on est quand même assez Kleenex, et on se dit, bon, on a tous le droit à un joker.
Oui, mais là, je voudrais parler à ceux qui sont à l'heure actuelle mariés, mes amis. C'est trop simple de flasher sur cette belle inconnue. Aime la personne avec laquelle tu t'es engagé. Le livre des Proverbes et puis le Cantique des Cantiques dit « Aime la femme de ta jeunesse, celle avec laquelle tu es ». Alors, des fois, aujourd'hui, il y a des situations plus compliquées. Si tu t'es remarié là et que tu es dans... T'as intérêt d'aimer celui avec qui tu es maintenant. Hein. S'il y a un homme là qui a connu un parcours compliqué et qu'aujourd'hui tu es posé avec une femme là, tu dois la chérir. Amen. Amen. Moi aussi, je suis d'accord. J'ai du mal à dire amen parce que j'espère que ma femme considère que je suis à la hauteur, mais j'ai du boulot là. On a beaucoup moins de culpabilité lorsque l'on part dans un sentiment affectif parce que le monde autour de nous va nous dire ce qu'on aime entendre. Les amis vont vous dire, depuis mai 68, faites de l'amour et pas la guerre. Et la version moderne, c'est si tu l'aimes, c'est pas un péché. Hein. Ben, c'est pas vrai en fait. L'amour ne suffit pas parce qu'en fait, aimer, c'est autre chose. Vous voyez, comme le mot aimer, il est vrillé. Si tu la désires, ce n'est pas un péché. Mais si ! Parce que la Bible dit, tu ne convoiteras pas ce qui appartient à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, c'est la femme de Nabal et surtout lui, il est déjà marié. Alors vous allez me dire, oui, mais monsieur le pasteur, faites semblant d'ignorer que dans l'Ancien Testament, ils avaient le droit d'être polygames. Non, pas tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on profite de la tolérance de Dieu. Et on force, et c'est comme s'il y a le bras de Dieu et on faisait un bras de fer pour que le bras de fer de Dieu se plie à notre volonté. Dès le début, dès le livre de la Genèse, Dieu dit « L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. » En aucun cas, il est dit à ses femmes. Oui, il y a un premier tordu qui a été polygame, puis un deuxième, puis un troisième. Et à chaque fois qu'ils l'ont fait, ça a fini en catastrophe. Lisez l'histoire de Abraham, la mauvaise idée d'Abraham, c'est Agar. C'est le seul échec de la vie de Abraham. Prenez ensuite les galères qu'a vécu David, c'est systématiquement son problème de ne pas savoir dire non à une belle femme qui passe. Ça a bousillé sa vie et à la fin de sa vie, il est épuisé, il est fatigué parce qu'il a eu que des conflits parmi ses enfants. Donc, dans le Lévitique, il était dit « L'homme et la femme se marient ». Oui, il y avait une tolérance que Dieu avait accordée à l'époque. Et Jésus le dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Dieu a permis de dire que le roi ne doit pas, et c'est une version négative, ne doit pas avoir beaucoup de femmes. Mais il n'a pas dit « ne doit pas avoir qu'une femme ». Donc certains disent « impeccable », il n'a pas dit… Vous voyez, quand on est amoureux là, on est prêt à tout pour que ça rentre dans notre case. Et en plus, à ce moment-là, David, il n'est pas roi du tout. Donc, il n'a aucune raison d'être bigame. Aucune raison. Et d'ailleurs, le texte de la Bible est piquant. Parce qu'une fois qu'il est mort, plusieurs années plus tard, et que cette histoire est racontée, l'auteur qui a écrit le livre de Samuel, regardez ce qu'il écrit. Quelques chapitres plus loin, il dit « David monta alors avec ses deux femmes, Achinoam et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. » C'est-à-dire que même si le gars il est mort, pour l'auteur du livre là, David il s'est foiré. Ils vont avoir un enfant ensemble. Cette histoire d'amour, il va y avoir un bébé. Le bébé s'appelle Kileab. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Kileab? Non, d'accord, ben c'est normal. Parce que le gars il apparaît une fois et c'est une comète. En fait, cette histoire d'amour, elle n'a pas vraiment de suite. Normalement, si je suis purement la généalogie des rois, normalement quand un roi meurt, c'est son fils aîné, d'accord, qui est le roi après lui. Le fils aîné de David, c'est celui qu'il avait à Shinoam, mais c'est un tordu, c'est Amnon le violeur, et qui sera tué par Absalom. Donc théoriquement, le numéro 2 en ligne directe de succession aurait dû être Kileab. Il n'y aurait pas dû avoir un autre roi après David comme Salomon, il y aurait dû avoir Kileab, roi d'Israël. Mais vous n'avez jamais entendu parler de Kileab, parce que Kileab, ça ne faisait pas partie des programmes. Donc maintenant c'est fait, c'est comme ça. Mais méfiez-vous parce qu'il y a des histoires qui commencent comme un coup de foudre et qui finissent en mariage éclair aussi. T'as les deux dans la même temps. Ça va très vite et il n'y a plus rien derrière. Et Abigaïl, je ne suis pas sûr que David, qui a voulu faire un super grand seigneur en l'épousant, je ne suis pas sûr que la suite de la vie d'Abigaïl a dû être super fun. Je ne suis pas si sûr que ça. En tout cas, si tu aimes quelqu'un, tu cherches plus son intérêt que le tien. David monta alors avec ses deux femmes, femmes de Nabal, et il ne va rien se passer. Grand 3, j'ai une petite pensée pour celui qui est mort, Nabal. Vous voulez bien qu'on garde encore quelques instants?
On va voir Nabal. Alors oui, tous ceux qui ont un problème et qui regardent trop le tennis, petite dédicace de Sébastien Geffroy pour vous. Ça n'a rien à voir avec Raphaël, d'accord ? Nabal n'est pas intéressé par les balles de tennis, il est intéressé par les moutons. Chacun son trip, d'accord ? Le truc de Nabal, et non pas de Nadal, enlève l'image parce que sinon je vais confondre. C'est la fortune et l'argent. La chose qui fait tourner, vibrer le cœur de Nabal, c'est sa carrière. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle qui sont juste tellement dans votre carrière, tellement dans votre travail, dans votre « j'ai besoin d'accomplir, de réussir, de prouver », vous n'allez peut-être pas ressembler à David, mais vous ressemblez peut-être à Nabal. Et en fait, moi, Nabal, je suis un peu triste, parce que à quoi sert à un homme d'amasser une fortune s'il perd son couple ? Ce gars-là, il a une perle dans la maison, mais il va chercher l'argent ailleurs. Si ça parle à quelqu'un, mais si c'est pour toi, faut que tu te réveilles. T'as une perle à la maison, mais tu es sans cesse en train de passer tout ton temps à amasser des choses sans lendemain. J'hésite parce que après il y a une diapo, mais une slide, mais elle est censée faire rire. Mais si vous rigolez pas, je vais juste avoir la pire honte de ma vie. L'auteur, en plus étant lâche, il m'a dit de ne pas le citer. C'est pour vous dire combien elle est moche. Juste au culte d'avant, on m'a dit que j'aurais pas dû la mettre, donc là j'hésite. Est-ce que vous voulez me pardonner la slide qui vient, d'accord ? Avant de la marquer, avant de l'envoyer. Oh là, puriste. Vas-y, remets-la. C'est un jeu de mots sur la laine, d'accord ? En fait, Nabal, il ne voulait que la laine de ses moutons. C'est le moment où la prédication aurait dû s'arrêter. En tout cas, Nabal, voilà. Remets-moi un verset, s'il te plaît, verset 37. Sa femme lui raconta tout, super, tout ce qui s'était passé. Et le gars, là, il va avoir une attaque cardiaque. Parce que sa femme a gaspillé quelques moutons. Et là, je dis, mais j'hallucine. En fait, toute sa vie, il est obnubilé par sa réussite matérielle et au lieu de se réveiller, écoutez bien ça, il va avoir une attaque cardiaque et pendant 10 jours, il est KO. Et moi, je me dis, mais vous voyez, à la fin du verset, on arrive à la fin, l'Éternel frappa Nabal et il mourut combien de temps après ? 10 jours plus tard. Je me suis posé la question, si Dieu voulait le faire mourir, pourquoi il n'a pas cartonné dès le début ? Dieu aurait pu faire que l'attaque cardiaque de Nabal, elle soit définitive au premier stroke, terminée. Mais c'est comme si Dieu a laissé 10 jours à Nabal, suffisamment conscient pour qu'il se dise, est-ce que je veux remettre mes priorités en place ? Et là, je parle à tous ceux qui ressemblent plus à Nabal qu'à David, qui regardent ce message ou qui est là dans la salle. Est-ce que tes priorités sont en place ? Il y a vraiment cette capacité des hommes à rester obnubilés sur quelque chose qui ne sert à rien. Vous savez que les serviteurs de Nabal vont essayer de le prévenir. Ils n'osent même plus lui parler tellement ils ont peur de lui parler finances. Le gars, il est devenu complètement hermétique. Et je ne sais pas si ce message te touche, mais si tu ne corriges pas, ce message est comme un défibrillateur où Dieu te dit, aujourd'hui, tu es en train tellement de réussir ta carrière, mais dans 10 jours, ton couple est peut-être mort. C'est chaud. Tu sais, la réalité, c'est que quand tu es confronté à cette réalité, ce message, il ne touche pas tout le monde, hein. Ce message, il touche celui qui doit le recevoir. Hein. S'il y a un homme dans la salle à qui Dieu est en train de parler, c'est pour toi. Hein. C'est pas pour ton voisin, c'est pour toi. Mais des fois, Dieu te dit, maintenant, tu fais gaffe. Parce que tu as une princesse chez toi, de qui tu prends pas soin. Aouh ! Vous savez, moi-même, là, je me dis, mais... Ah, les hommes, là, on peut ressembler plus à David. C'est tous ceux qui, aujourd'hui, sont en situation de manque, de vulnérabilité, vous vous rendez peut-être pas compte, mais tu as été victime de mépris, de rejet,
ta vie, elle n'est pas ce que tu rêves d'être. Dieu t'a promis d'être un roi, mais aujourd'hui, tu es un vagabond. Eh bien, je peux dire une chose. Tu es le premier client potentiel de toute belle femme qui arrive dans ta vie et qui va te vendre un rêve. Alors, ce message, pour quelqu'un comme David, c'est un défibrillateur pour te dire, c'est super que tu arrives à ne pas aller dans la violence et dans la haine, tant mieux, très bien. Mais là, ce que tu es en train de faire avec ton cœur, c'est aussi dangereux et tu peux pulvériser le programme de Dieu pour ta vie. Et le deuxième défibrillateur, c'est pour tous ceux qui sont bien dans leur peau, comme Nabal, et qui sont juste hermétiques à toute critique. Tu dis, je m'en fous, de toute manière, ma vie, ça marche bien. De toute manière, je viendrai faire une récolte incroyable. Et Dieu te dit, dans 10 jours, ton couple est mort si tu ne fais pas plus attention. Waouh ! Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais qui est marié là ? Allez, on va lever la main. C'est bien de lever la main. Devant votre écran, vous avez le droit de lever la main si vous êtes marié. Ok, les hommes mariés là, Dieu nous parle en cet instant. Parce que Dieu nous donne un avertissement de défibrillateur, soigne, consacre le meilleur à ton couple. Consacre le meilleur, parce que si tu réussis à faire ça, tu seras père d'une dynastie. Tes enfants te diront un jour, papa, tu es un modèle pour nous. Je suis pas sûr que j'y sois vraiment toujours. Moi aussi, j'ai pas le problème de David, je suis très heureux en couple, mais je pense que des fois j'ai une perle à la maison, je m'en rends pas compte. Mince. Peut-être qu'il va falloir que tu dises quelque chose. Tu consacres l'heure que, au lieu de la consacrer avec une inconnue au restaurant ou avec ta collègue qui te valorise autant, ben, passe une heure avec ta femme et tu dis, ma chérie, je me rappelle des moments où on courait, où on dansait, où on chantait ensemble et où tu avais toute mon attention et je veux être meilleur. Et si quelqu'un est très très mal en couple, fais gaffe à cet inconnu qui passe. Je voudrais te dire juste une chose. Le Saint-Esprit est prêt à t'aider en ce moment. Mais il va falloir que tu abandonnes. On va fermer les yeux ensemble. Que tu abandonnes ton cœur à Dieu. Parce que tu n'arriveras pas à le garder toi-même. Honnêtement, si un homme ce matin est dans la situation de David, c'est-à-dire son cœur est déjà, ton cœur est déjà harponné par quelqu'un à l'extérieur de ton couple,
ça peut être aussi une femme, hein, qui peut être dans la situation de David. Bref, si ton cœur est en train d'être harponné par quelqu'un avec qui il ne devrait pas, le combat à l'intérieur, il est énorme. Et je te promets pas qu'en quelques secondes, là, les sentiments vont partir. Une fois que les sentiments sont venus, là, c'est tellement puissant, des sentiments de « in love », là, ça peut tout détruire. Est-ce que, on va prendre la Sainte-Seine, on va se lever ensemble. Est-ce qu'on peut juste dire, toi qui es derrière, devant ton écran, là, va chercher la Sainte-Seine, prends la Sainte-Seine aussi. Même si tu ne te sens pas digne de la prendre, c'est justement le moment de confesser la puissance de la vie de Christ en toi. Parce que si jamais tu essayes de t'en sortir par tes propres forces, tu vas dire, c'est plus fort que moi. Mais moi, je connais un vent puissant qui, tel un ouragan, est capable d'arracher. Ça va être dur, ça va prendre peut-être une journée, peut-être 10 jours, peut-être que tu vas devoir jeûner. Mais s'il te plaît, ne brise pas le couple que Dieu t'a donné. Aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et puis je vous en supplie, à vous, mesdames qui êtes mariées, donnez à votre homme tout le respect que cet inconnu essaye de lui donner. Je crois qu'on est une période où ce que Satan attaque le plus, c'est les familles, c'est les couples. Et nous, on est des naïfs comme David, on est des naïfs comme Abigail. Puis on prend des mauvaises décisions et nos enfants pleurent derrière et puis on crée des générations dysfonctionnelles. Seigneur, viens nous aider. Est-ce que quelqu'un veut juste, on va terminer ce moment, mais viens toucher ma vie, Père. Viens toucher ma vie. Waouh, si quelqu'un ce matin s'est senti vraiment percuté par ce défibrillateur du Saint-Esprit, prends du temps avec ton conjoint. Non pas selon tes besoins, mais selon ses besoins. Il y a trop de Nabal parmi nous et j'en suis peut-être un. Seigneur, remplis-nous, viens nous toucher. Si quelqu'un a des blessures passées, si quelqu'un a manqué, va chercher auprès de Dieu, parce que c'est pas quelqu'un d'externe à ton couple qui pourra vraiment t'apporter ce que tu dois chercher auprès de Dieu. Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu.
Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'Église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt, j'espère.